Aujourd'hui, nous étions réunis pour un moment de recueillement en mémoire de notre collègue Xavier, et nous avons observé une minute de silence lors de cette cérémonie. Donc évidemment, toutes nos pensées vont vers la famille, les amis, les proches de Xavier dans ces moments difficiles. Mais demain, là, il y a une action qui était prévue depuis longtemps. Demain, effectivement, il y a une manifestation qui est prévue à Paris, donc demain, mercredi 26 avril 2017. Une action qui est prévue depuis plusieurs semaines, donc avant l'attentat qui a été commis la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Une action pour interpeller les deux candidats à la présidence de la République. Unité SGP Police FO donc réclame protection et reconnaissance. Nous allons interpeller les candidats en leur demandant effectivement des effectifs, des moyens pour travailler, la mise en place du nouveau cycle 2-2-3 dit vacation forte afin que nos collègues puissent bénéficier de repos, notamment le week-end plus important. C'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer. C'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer, le métier de policier, car en fait, effectivement, je le dis, puisqu'on a moins de monde, on a forcément beaucoup plus de présence, on a moins de temps pour se reposer, on a des conditions d'exercice qui sont plus difficiles, puisqu'on a aussi moins d'équipement, moins de matériel, on a une procédure judiciaire qui s'alourdit, enfin plein de choses qui font que les policiers aujourd'hui sont fatigués, sont usés.